chose qui est le 1% du budget de construction d'un bâtiment qui appartient au gouvernement va pour création d'une œuvre d'art. Voilà. Et pour faire partie de ce programme-là, les artistes professionnels doivent s'appliquer. Et il existe en 2005, le ministère a créé les nouveaux critères. Ces critères-là, je juge discriminatoire parce que, dans le fond, ces critères consistent que les artistes qui peuvent appliquer à la politique doivent obligatoirement participer à l'exposition dans les lieux de diffusion qui sont subventionnés par le gouvernement. C'est-à-dire que soit par le ministère de la Culture, soit par le CALC, soit par la SADEC. Donc, toutes les galeries commerciales ou salles d'exposition en but non lucratif qui ne reçoivent pas les subventions sont tous exclus de cette liste. Le ministère a conçu une liste en 2005. Donc, et les artistes qui exposent dans ce lieu-là sont exclus aussi, défavorisés. Donc voilà. Et le fond de cette action, je conteste les critères discriminatoires du ministère de la Culture et Communication. Pour soutenir cet événement, c'est que j'ai invité plusieurs artistes à venir peindre ici. Donc depuis 5 jours que je fais la grève, les artistes viennent peindre avec moi pour avoir plus d'impact de cet événement. Donc par exemple aujourd'hui, Catherine Dufresne qui a passé la journée avec moi, les autres journées, il y avait d'autres artistes qui sont venus, par exemple Marina Maslovskaya, Marcel Theriault, Achille Kouyami, plusieurs artistes qui sont venus à peindre ici sur place. Donc voilà.